C'est normal hein, que là on rejette. Hein. C'est les 20K, 21K, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est tout à fait normal. Tous les gens en short ça. Vous n'avez qu'à regarder Twitter. Hein. Quand je vous dis tous les gens, je m'en fous du particulier qui trade jamais, qui connaît rien. Justement, des gens qui trade, qui s'intéressent au truc, qui ont une analyse du prix, mais qui ne comprennent pas que ce qui fait bouger, c'est la liquidité et pas les structures. Short ici. Pour eux, ça, c'était la zone de short logique. Ils ont raison dans un sens, c'est que c'est une zone qui va rejeter. Le problème, c'est que moi, et qu'au contraire, on a eu une prise de liquidité ici, et que ce swing high aboutit à une manipulation des lots et à l'expansion parabolique. Et ça, pour moi, ça, tout ce qu'il y a eu là, doit trouver des TP, et le TP de ça, c'est cette zone ici, qui est la zone de stop que tout le monde met sur Twitter, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait ça. Si vous regardez, vous allez voir sur Twitter, vous mettez, vous regardez sur les cryptos, tous ceux qui tradent un peu des trucs de structure, machin, ils ont tous fait ça. Okay? C'est la différence entre la lecture du prix et le trading de droite en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, eux ils l'ont vu dans ce sens, mais pour eux ils font ça en fait. Hein. Ils font voilà, je trade le TT qui est là, je trade le TT qui est là, et voilà, et je continue, je continue, je continue.